J'ai les cheveux longs, mais pas tant que ça, moins volumineux. Puis après ça, séance de maquillage pour me commencer à se promener un peu ici dans le loft pour trouver tous les endroits où on allait faire des photos, donc les ambiances différentes. Fait que, puis là, il est 3h30, 4h, puis on s'apprête à faire la photo de la couverture, donc la photo qui va donner le ton un peu à tout le reportage. J'aime beaucoup les séances photo. Des fois, je trouve ça un peu long, mais j'aime vraiment ça. Je trouve que, tu sais, il faut que tu trouves une espèce de détente pour passer à travers la journée, mais en même temps, ça prend quand même une énergie, mine de rien, super concentré, être dans des positions, avoir tout le temps l'œil allumé aussi. Tu sais, je suis pas mannequin, fait que pour moi, c'est comme si c'était une sorte de facette de mon métier, de jouer. Tu sais, j'aime ça, pouvoir... penser, me mettre dans une espèce de mood, de sentiment, puis de là, donner quelque chose, essayer que quelque chose transperce mon regard. Puis j'aime ça me déguiser parce que c'est un peu ça que je fais dans la vie. J'aime beaucoup la mode, je suis une fan de créateurs québécois, j'aime beaucoup les trucs vintage, je suis vraiment une fille qui adore fouiller, qui a beaucoup trop de robes. Mais au point de vue beauté, j'aime beaucoup prendre soin de moi, mais je suis pas une fille qui se maquille. Ça doit être une déformation professionnelle parce que je suis maquillée souvent tous les jours. Fait que je veux dire que je m'y connais vraiment pas en maquillage. Puis souvent, s'il y a personne qui me peigne les cheveux, je les peignerai pas pendant plusieurs jours. Jusqu'à temps que je fasse « voyons, oh, oh! » Puis là, je suis obligée de défaire des nœuds. On se fait tout le temps prendre en charge un peu, puis on se fait quand même dorloter, puis on a des looks qu'on n'aurait pas nécessairement dans la vie, mais j'aime cette idée-là de me transformer.